Alors, je suis ravi de participer et de produire le nouvel album des Idols de Mathilde et Zoé. Je dis nouvel album parce qu'il y a presque 2 ans, on avait déjà produit ensemble un EP de 6 titres que vous avez pu découvrir. Et là, elles sont revenues me proposer à nouveau l'exercice d'un album de 12 titres, donc avec un travail beaucoup plus élaboré et plus profond. Donc, j'ai dit oui sans hésiter parce que c'est un travail que j'aime vraiment partager avec elles. Et puis, donc dans ces 12 titres, eh bien, il va y avoir des réadaptations, des reprises d'artistes qu'elles aiment jouer, interpréter. Et ce qui me plaît dans leur façon de travailler, c'est se réapproprier la chanson, la réadapter, la réarranger, avec un travail un peu personnel. Donc ça, je trouve ça super. Et ce qu'elles ont voulu faire en petit plus, qui sera une surprise dans le CD, quand vous allez le découvrir, c'est qu'elles ont laissé la place, pas toujours très facile, de la composition. Donc un travail beaucoup plus profond, plus personnel, vous aurez l'occasion de découvrir. Ça a été vraiment un grand, grand moment. Donc elles sont arrivées au studio avec un cahier des charges très précis de ce qu'elles voulaient sur l'évolution des voix, l'évolution des chansons, le réarrangement, la façon de... Donc ça permet aussi pour elles un travail beaucoup plus soft en studio. Elles savent ce qu'elles veulent, donc elles vont directement aux endroits qu'elles ont travaillé, puisqu'elles se voient beaucoup en off. Donc du coup, ça facilite aussi le travail pour moi en tant que producteur de leur proposer des choses plus aisément. Et elles sont beaucoup plus en confiance et ça permet un travail beaucoup plus simple et tranquille. Ce qui a été très bien aussi dans ce travail-là, c'est qu'elles m'ont laissé aussi la part belle en tant que musicien à leur proposer des possibilités d'arrangement, de réharmonisation des voix, de certains arrangements musicaux. Et ça, je les en remercie. C'est très important pour moi en tant que musicien aussi de pouvoir un peu m'exprimer au niveau de leur création, de la relecture de leur travail. Et me laisser aussi carte blanche à leur proposer des choses sur la production de chaque chanson. Donc je leur propose, elles décident, on décide ensemble. Donc c'est comme ça qu'on avance. On a passé un moment fin février où tout a été enregistré. On a passé vraiment un moment très intense. Ça s'est fait sur une période assez courte. Mais comme le travail a été bien fait en amont, elles se sont pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Donc résultat des courses, eh bien, je ne vais pas vous reparler de tout ce qu'elles vous ont décrit du financement participatif et des jolies contreparties qu'elles vous proposent. Elles ont su le faire avec brio. Moi, je vais juste revenir et les rejoindre pour vous remercier vraiment d'avoir participé à votre hauteur, à vos envies. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est l'enthousiasme et de voir cet enthousiasme que vous avez autour de ce projet et autour d'elle. Aller voir évoluer et travailler avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, mais c'est là en plus où elles prennent beaucoup de plaisir. Donc je pense qu'elles vont préparer vraiment quelque chose de très chouette. En tout cas, moi, je suis ravi de participer à tout ça. Et puis, en attendant de vous faire découvrir tous les trois ce nouveau travail, on a hâte de vous faire découvrir ça. Et moi, j'ai encore plus hâte de vous faire découvrir l'étendue de leur talent.